Il est 13h30. On va débuter le premier après-cours de l'année 2021-2022. Donc, je me présente, je m'appelle Maryse Delisle et c'est moi qui vais faire l'animation de cette communauté d'échange au niveau de la reconnaissance des acquis des compétences pour la formation à un métier semi-spécialisé. Donc, on va utiliser le terme RAC-FMS pour le reste de la rencontre. On a aussi la chance pour l'après-cours RAC-FMS d'avoir Mélanie Poulain au ministère qui est la répondante pour les programmes d'intégration socio-professionnelle et aussi de la RAC-FMS. Mélanie, aurais-tu voulu dire un petit bonjour? C'est quand même important de le dire, là. Des fois on dit des choses, là, mais le ministère entend aussi vos demandes, donc c'est toujours plaisant là, d'être là dans ces échanges-là. Donc, je vais faire la petite lecture de l'ordre du jour. Je vais peut-être partager mon écran. Voilà. Donc, tantôt, ça a été présenté. S'il y en a qui viennent juste de se connecter, s'il vous plaît, allez identifier vos présences. Vous savez que l'objectif de l'après-cours RAC-FMS, c'est vraiment de créer une communauté d'échange. Ça se peut qu'aujourd'hui, quelqu'un va parler. Vous allez dire, mon Dieu, sinon, qu'est-ce qu'ils font dans leur centre de service scolaire? Vous allez pouvoir aller voir dans les présences, c'est quoi les coordonnées? Écrire un petit courriel. Est-ce qu'on peut se parler? J'aimerais discuter avec vous. Donc, c'est ça, c'est d'entendre tout le monde échanger aujourd'hui. Mais entre chacun des après-cours, si vous avez envie de communiquer avec une personne, là, qui, c'était un coup de cœur pour vous, n'hésitez pas. Là, c'est pour ça aussi qu'on vous demande d'écrire votre adresse courriel. Ce n'est pas juste pour savoir qui était là, mais aussi pour permettre après qu'il y ait des échanges entre centres de services scolaires tout au long de l'année. Donc, écoutez, on va parler un petit peu ces rappels des objectifs de la RAC-FMS, quelle clientèle on cible. Je vais faire un petit rappel, c'est quoi les outils disponibles qu'on a là, sur le site d'accompagnement FGA, puis aussi dans les bibliothèques des après-cours, parce qu'on a quand même développé beaucoup de choses. Je vais donner un peu d'informations sur l'instrumentation. Aussi, l'année passée, on avait une question aussi à savoir est-ce qu'on devait avoir un profil pour nos candidats en RAC-FMS. On va pouvoir répondre à ça. Ensuite, des fois, là, je donne un petit peu d'informations rapidement au niveau. Là, des fois, il y a des questions spécifiques relatives à la sanction, là, comment être répondu au niveau de ces questions-là. Et ensuite, on va prendre le temps d'échanger un petit peu plus sur l'état d'implantation de la RAC-FMS chez vous. Là, il va y avoir un petit sondage rapide. On va partager les résultats. Donc, c'est parfait. Fait que si ça va pour tout le monde, moi, je vais arrêter mon partage d'écran. Et peut-être un petit rappel de l'objectif de la RAC-FMS. Pourquoi ça a été mis en place? Mais premièrement, parce que... il y a quelqu'un, il y a une main levée. Sarah oui. Lesage. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, on avait eu une question en juin dernier ou en mai dernier concernant les équivalences entre les études ontariennes et au Québec. Et c'était resté en suspens, donc j'étais curieuse de savoir s'il y avait eu des développements à ce sujet-là. Bon, j'aimerais rajouter une petite note là, qu'on traitera à la fin. Merci Sarah pour la question. On va tenter d'y répondre à la fin de la rencontre. Donc, pour les objectifs au niveau de la RAC-FMS, donc c'est ça, on se rappelle que la reconnaissance des acquis au Québec, c'est un droit. Donc, le ministère voulait mettre en place un dispositif pour permettre aux gens qui avaient des compétences au regard des métiers semi-spécialisés de pouvoir obtenir le certificat de formation à un métier semi-spécialisé. On vise aussi, qui est-ce qu'on vise, quelle clientèle on va viser? Mais on vise, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est aller rejoindre une certaine clientèle qui est peut-être loin de nous. Donc, une clientèle qui aurait quitté tôt le domaine scolaire, une clientèle qui n'aurait jamais eu une première qualification. Puis, qu'est-ce qu'on souhaitait? Puis, vous savez, des fois, c'est évolutif entre la grande idée quand on a élaboré le dispositif puis la réalité sur le plancher que vous allez vivre. Ça se peut qu'il y ait des écarts, qu'il n'y en ait pas. Ça va être important de le partager. Je pense que c'est sûr que la richesse des après-cours, c'est vraiment de savoir un petit peu plus là, qu'est-ce qui se passe, la réalité entre le grand rêve et la réalité. Donc, à ce moment-là, c'est ça, on cite des adultes qui n'auraient peut-être pas une première qualification, puis par un parcours de RAC-FMS, puis
sais, quand même, ce n'est pas si long que ça comme parcours, rapidement, d'avoir une première qualification, de leur donner un gain, qu'ils aient confiance en eux, puis peut-être qu'ils aient envie de se rapprocher un peu plus de nous. Parce qu'une fois que vous rentrez en contact avec ces adultes-là, vous voyez, pas comment vous êtes fantastique, réseau de la formation générale des adultes, de peut-être avoir envie d'aller peut-être consolider aussi certaines petites compétences en français, mathématiques, d'autres choses. Donc, poursuivre des études rapprochées de valeurs de formation continue. Fait que aussi, c'est dans cette idée-là. Puis, on le sait aussi que pour des personnes qui ne viennent pas du Québec, ça peut être un défi de reconnaître le volet de la formation générale, surtout pour les personnes immigrantes. J'ai eu plusieurs commentaires, puis on est vraiment intéressé de les avoir, vos commentaires. On ne peut pas toujours le lendemain trouver solution, par contre, mais vous êtes écoutés, ne vous inquiétez pas. Des fois, c'est des personnes qui arrivent d'autres pays, puis ils ont des diplômes universitaires et tout. Assurez-vous, quand on dit oui à un client pour dire, bon, on va faire la RAC FMS, s'il y aurait un meilleur service de reconnaissance des acquis, au niveau de la formation professionnelle pour les DEP, au niveau du cégep pour des AEC du domaine technique, au niveau des ordres professionnels, dans votre travail, hein, dans l'étape de l'accueil au niveau là, de la personne candidate, mais c'est certain que vous regardez un petit peu qu'est-ce qu'il y a, puis peut-être que la RAC FMS, ce n'est pas le meilleur service de reconnaissance des acquis pour cette personne-là, puis qu'il y en aurait d'autres qui répondraient plus à la réalité des expériences scolaires hors Québec ou des expériences de vie aussi. Fait que peut-être aussi faire attention à ça, parce que des fois, il y en a qui se retrouvent dans des milieux, c'est beaucoup des personnes immigrantes qui viennent d'arriver, c'est des premiers emplois qui font un peu plus pour s'habiliter ici, apprendre le français, mais qu'ils ont des objectifs de carrière autres. Peut-être en RAC FMS, allez-y vers des gens, c'est ça, le métier semi-spécialisé est leur carrière. C'est ceux-là qu'on va viser. Fait que des fois, là, ça va vous permettre de réfléchir aussi quel milieu on va viser, puis pour qui je pense ça va être le plus intéressant, pour qui il va avoir le plus de gains. Je vous invite à réfléchir à ça et ne pas oublier que oui, vous pouvez arriver dans une entreprise, parler de la RAC FMS, puis ça se peut que vous rendez compte que finalement, c'est un programme d'études qui mène vers une attestation d'études professionnelles ou un DEP qui cadrerait mieux. Donc, vous devez aussi vous assurer que le métier que les gens font, c'est vraiment les compétences du métier semi-spécialisé. Et il y a un défi là-dedans aussi qui nous oblige à connaître un petit peu plus là, l'offre de services de diverses formations, autant formation professionnelle que collégiale. Donc, allez-y toujours dans une vision élargie de répondre aux besoins des personnes, pas de faire de la vente de métiers semi-spécialisés. Là. Je pense que quand on va dans le milieu du travail, on va dans les entreprises, on en fait la promotion. Il y a un peu d'analyse de fonction de travail avant de dire à tout le monde go, 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 go. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des clientèles ciblées? Tout va bien. Ce n'était pas utile de clavardage là, si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Il y a une question puis il y a un commentaire dans le clavardage. Dans le fond, la question, c'est « Il m'arrive souvent de ne pas trouver le métier approprié à la réalité du poste occupé. » Bien, c'est certain qu'on est lié par la liste des 130 métiers un petit peu plus. Ça arrive que dans certains cas, mais les gens ils font un métier qui serait de niveau semi-spécialisé, mais qui n'est pas dans le répertoire. Puis ça se peut aussi que vous arrivez en entreprise, puis là, chaque entreprise a envie de vous développer des métiers par rapport à eux spécifiquement, ce qu'ils font. Fait que ça se peut que vous ne pourrez pas répondre parce que ce métier-là n'est pas existant. Il faut faire attention à ça. Des fois, on ne peut pas toujours le faire parce qu'on peut juste reconnaître les compétences d'une personne au regard de nos programmes d'études ou des métiers. Donc, on ne peut pas faire tout le monde comme on souhaite. Là, ça, c'est une réalité
qu'il faut accepter. Des fois, vous n'arrivez pas à trouver c'est quoi, vous avez besoin d'aide, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir. On pourra faire une petite recherche, voir qu'est-ce qui pourrait correspondre à la nature des fonctions de travail des personnes. Et je vous avais mis le lien, là, moi je l'ai déjà ouvert. Donc, la première chose, je vais grossir un petit peu. La première chose, si vous voulez tout savoir sur les métiers semi-spécialisés, évidemment ici, là, je ne vais pas tout ouvrir les documents, mais je vais juste pointer. On a sur le site d'accompagnement FGA au niveau de l'ISP RAC FMS, je vous ai mis le lien, c'est plus simple. Le guide administratif, c'est un guide ministériel, donc c'est vraiment là les encadrements relatifs à ce dispositif-là. Donc, c'était moi qui a eu le privilège de rédiger pour vous là, en collaboration avec le ministère. Donc, je veux dire, souvent, je vais beaucoup me référer à ce guide-là pour répondre à vos questions. Ensuite, vos outils pour faire un petit peu la promotion ou travailler avec vos personnes candidates, bien, il y a un guide au niveau à remettre à la personne candidate qui voudrait faire la démarche. Évidemment, c'est en français, c'est en anglais. Puis, il y a un format qu'on dit web, là. Vous pouvez juste imprimer vous autres à votre bureau. Puis ici, le format impression, c'est quand vous envoyez ça à des imprimeurs professionnels, il y a des marques de prix, des marques de plis, des marques de coupe. Donc, assurez-vous, de, si vous le faites vous autres à votre bureau, là, d'utiliser la bonne chose. On a un petit document là, de présentation à l'employeur là, qui a une petite base que vous pourriez mettre vos informations. Donc, c'est un document Word que vous pouvez retravailler. Un plan d'action que vous pouvez retravailler là, avec un employeur. Puis, on a fait aussi, à la demande du réseau là, l'année passée, un guide de l'employeur, encore une fois, qui est vraiment un outil promotionnel quand vous allez rencontrer des employeurs pour expliquer c'est quoi la RAC FMS. La nouveauté, parce qu'on l'a fait vraiment en fin d'année, fait que je vais l'ouvrir, lui, c'est un petit tableau de suivi parce qu'il n'y a pas une base de données encore comme telle pour vraiment faire la gestion de vos personnes candidates. De toute façon, je pense qu'on est encore au début de la mise en place du service. Fait qu'on au moins, on vous a fait quand même un petit outil simple que vous pourriez utiliser, puis à ce moment-là aussi améliorer selon vos besoins. Fait qu'on vous a mis vraiment, on l'a structuré par entreprise, donc entreprise 1, entreprise 2, entreprise 3. Parce que des fois, vous avez plus d'une personne dans une entreprise qui va faire la démarche. Donc, les bonnes informations de l'employeur, ça va être qui vos spécialistes du métier identifiés dans l'entreprise et pour quel métier. Je pense à ceux des fois qui font du démarchage auprès des commerces de l'alimentation. Bien, des fois, ça va être le gérant du département de boulangerie qui va s'occuper du métier, être boulanger, puis le gérant de la boucherie qui va faire le métier, être boucher. Donc, des fois, il peut y avoir plus d'un spécialiste du métier au sein de la même entreprise. Puis à ce moment-là, si vous le souhaitez, bien, vous pourrez mettre le nom de vos personnes candidates, quel métier, comment communiquer avec eux. Maintenant, hein, des fois, il est mieux qu'on leur texte, là, on ne leur envoie pas de courriel. Là, souvent, ça finit qu'on communique par Facebook avec les personnes candidates. Donc, c'est tout simplement un outil de plus qu'on vous a mis pour vous aider à vous structurer au niveau de la démarche de RAC FMS. Ensuite de ça, on a mis ici, c'est moi qui les ai faits, c'est des vidéos tutoriels là, qui expliquent c'est quoi la RAC FMS, donc c'est quoi le contexte, les modalités administratives, les étapes de la démarche, là, de la partie de l'accueil à l'entrevue de validation, là, qui est comme on pourrait dire le premier bloc de la démarche de RAC FMS. Ça dure à peu près 20 minutes, 15-20 minutes chacun, là, des petits tutoriels, c'est pas très long. Puis ensuite de ça, la deuxième phase de l'observation des compétences et l'évaluation. Donc, n'hésitez pas, des fois, vous dites, vous êtes nouveau, vous avez des nouveaux collègues, ils ne comprennent pas c'est quoi, mais je pense qu'ils vont écouter ces trois petites vidéos-là, ça va vous parler. Tout le monde hein, qui a reçu un courriel de ma part, vous êtes déjà inscrit, on pourrait dire, à la communauté, qui est comme mon groupe de courriels que j'envoie quand il y a des petites nouvelles ou je veux rappeler qu'il y a un après-cours qui s'en va. Donc, vous pouvez vous inscrire ici si ce n'est pas fait.
Puis ici, bien, c'est l'enregistrement d'une formation que j'avais donnée l'année passée qui s'appelait « Les distinctions entre la RAC en formation professionnelle et la RAC FMS ». Fait que là-dessus, vous avez, là, je pense, là, vous devez quand même beaucoup de choses pour vous outiller. On a aussi la foire aux questions. Donc, la foire aux questions, je vous invite tout le monde d'aller au moins une fois la lire. Fait que dans le fond, vous allez sur foire aux questions et vous cliquez ici « RAC FMS ». Parce qu'honnêtement, l'année passée, la plupart des questions que j'ai reçues par courriel ou qu'on me demandait, la réponse était déjà dans la foire aux questions. Fait que des fois, de se remettre dedans, ça permet d'aller revalider des choses. Fait que c'est vraiment souvent les questions que vous nous posez qu'on se rend compte qu'il y a besoin de clarification. On va aller là, mettre une question-réponse de ce côté-là. Fait que là, c'est sûr qu'on ne les passera pas, mais n'hésitez pas à aller les utiliser. C'est des outils qu'on a mis en place pour vous. Sinon, quand on arrive au niveau là, de la communauté RAC FMS, quand vous cliquez là, dans les documents collaboratifs, à ce moment-là, bien, si on veut aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est fait l'année passée, bien, si vous voulez regarder toutes les formations qui ont été offertes l'année passée, vous pouvez aller dans les archives. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, il vous est possible d'aller réécouter chacun des après-cours là, qui ont eu lieu l'année passée. Donc, si on était ici dans les documents collaboratifs, bien, à ce moment-là, tu as la bibliothèque. Ça, j'avais envie qu'on la regarde ensemble parce que l'année passée, on a mis plein de choses sur la bibliothèque qui pourraient vous être utiles. Puis, comment sont classés ces participes? C'est par, on pourrait dire, date de dépôt. Là. Donc, la dernière chose qui a été déposée, c'est cette semaine. On a mis là, le nouveau document 2021-2022, Services et programmes d'études, formation générale des adultes. Là, ça, on l'a mis là. L'année passée, Isabelle Tourangeau nous avait parlé qu'elle, plutôt que d'écrire un courriel sans fin aux entreprises, elle s'était faite un petit vidéo, puis elle envoyait ça, un petit courriel, juste avec le petit vidéo à écouter pour que l'entreprise en sache un petit peu plus sur la RAC FMS, puis qu'il la rappelle. Donc, on trouvait que c'était une belle idée de prendre contact là, avec les milieux. Donc, elle nous avait gracieusement là, partagé cette vidéo. Fait qu'on clique dessus. Puis vous... Ah non, c'est ici quand on clique dessus. Puis à ce moment-là, la petite vidéo va partir. Ici, on avait aussi, je ne m'en souviens plus c'était qui, mais c'est un centre de services scolaires qui s'est juste fait un petit document sur la RAC FMS pour en faire la promotion à l'interne. Du fait que c'est un nouveau service, on commence à l'implanter. Bien, avant d'aller faire cogner aux portes à l'extérieur, bien, je pense que c'est important de bien informer vos équipes à l'interne. Puis quand je parle équipe élargie, là, le SARCA, la mission, le corps enseignant, les directions, vos homologues de la formation professionnelle. Fait que des fois, d'avoir un document assez simple, ça peut aider. Donc, c'est un beau modèle qui est là. Ici, on avait les règles budgétaires de l'année passée. Donc, il va falloir peut-être les mettre à jour. Notre guide administratif. Ensuite de ça, c'est encore notre guide de l'employeur. Il y a un document que je cherche puis que je trouve. Ah, c'est là. Peut-être j'ai envie d'amener un petit peu là, celui-là. Si vous êtes en train d'instaurer votre service de RAC FMS, on vous a proposé un plan d'organisation. Fait que c'est vraiment le tableau qui dit quoi pour chacune des étapes de la démarche. Fait que c'est quelque chose qu'on a fait au meilleur de notre connaissance, mais c'est toujours des documents Word que vous reprenez puis vous retravaillez à votre goût. Fait que c'est juste de dire, bon, mais comment vous préparez votre service, vous créez une adresse courriel, etc. C'est quoi vos documents que vous avez besoin? C'est qui les personnes qui devraient être incluses dans ce dossier-là? Puis, pour chacune des étapes, ben, on donne un petit peu des points d'action, les outils, puis c'est qui les personnes responsables. Fait qu'ici, ben, vous allez mettre des noms là-dessus chez vous dans vos centres de services scolaires. Tu sais, c'est Isabelle qui s'occupe de ça, c'est Émilie qui s'occupe de ça. Donc, juste ça, de vous mettre en équipe pour clarifier les rôles de chacun jusqu'à l'étape de la déclaration. Mais ça vous permet là, vraiment d'être organisé là, au sein même de votre centre de services scolaires. Donc ça se retrouve dans la bibliothèque des Afrecours. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on avait envie
de partager là-dessus, Richard et Toby? Peut-être, dans le fond, j'ai un lien YouTube d'une vidéo que Richard a fait, puis le chapitrage fonctionne. Si tu veux, je te l'envoie dans le clavardage ou... Moi, j'ai arrêté le partage, puis tu vas pouvoir... Okay. Excellent, je vais faire le partage, puis je vais montrer ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant au niveau des après-cours, parce que justement, lorsqu'on a des après-cours, puis qu'on ne veut pas nécessairement tout regarder au complet, mais qu'on veut être très spécifique par rapport à ce qu'on veut regarder, bien, dans les après-cours, il y a vraiment le chapitrage, mais la vidéo YouTube aussi. Donc, ça veut dire que si vous vous rendez sur YouTube, là, j'ai le lien d'une vidéo d'un après-cours, c'est l'après-cours RAC FMS 20 mai. Si je me dirige dans plus, là, vous allez voir vraiment toute la description avec les secondes auxquelles on est en mesure d'aller cliquer. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, ce sujet-là, je le trouve intéressant. Donc, je vais aller tout simplement sélectionner 8.25 et je vais arriver directement dans 8.25 au niveau de la vidéo. Un élément de plus aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer, admettons qu'on part au niveau de la vidéo. C'est un peu petit, par exemple, là, mais on voit ici « Début ». Donc, si je clique sur « Début », excusez-moi, je recommence. Complètement à droite, ce qui va se passer, c'est que les chapitrages au niveau de YouTube vont s'afficher et vous allez être en mesure de naviguer aussi par ici. Donc, fait super intéressant avec YouTube. Son wow, hein? C'est moi, je me sens comme une vedette grâce à Richard et Toby. Donc, merci Toby. Fait que si c'est correct pour tout le monde, est-ce que vous avez des questions au niveau là, des outils disponibles ou peut-être est-ce qu'il y a des gens qui en ont utilisé qui aimeraient en parler? N'hésitez pas. Pendant que vous réfléchissez, excuse-moi. Oui, vas-y. Le chapitrage est fait aussi pour les balados. Donc, les balados, vous n'êtes pas obligé d'écouter toute l'heure au complet. Quand vous allez sur le site et vous voyez que entre parenthèses, le timbre de temps est là, donc vous cliquez et vous pouvez aussi accéder directement à la partie qui vous intéresse. Et qu'est-ce qu'on souhaite, c'est que vous n'avez pas à réinventer la roue à chaque fois que vous devez faire quelque chose. Informez-vous auprès de moi s'il y a un outil qui existe. Puis des fois, l'après-cours, si vous voulez vous développer un outil, puis on peut faire un appel à tous pour voir est-ce qu'il y en a qui l'ont développé, bien, à ce moment-là, on peut se l'échanger. Là, ça fait partie aussi... L'objectif d'une communauté d'apprentissage, c'est une communauté d'échange, aussi. Au niveau de l'instrumentation, malheureusement, l'instrumentation n'a pas encore été sortie du côté de la direction de la sanction des études. Donc, si vous voulez commencer, là, évidemment, là, à faire des démarches, vous devez demander à votre... responsable de la sanction de votre centre de service scolaire, d'envoyer un courriel à la direction de la sanction des études, leur homologue là-bas, pour avoir les gabarits vierges d'instrumentation. Puis à ce moment-là, vous allez devoir, par un agile copier-coller au niveau du site des métiers semi-spécialisés, de faire votre propre instrumentation. Par contre, n'allez pas commencer à tout développer les instruments pour 130, les 130 métiers. Allez-y au fur et à mesure de vos besoins. Si vous dites, bon, je vais développer pour tel secteur, ben à ce moment-là, allez voir juste vos fiches, vos auto-évaluations. Faites la rencontre. Assurez-vous d'avoir le dépôt de candidature. Puis après ça, vous pourrez aller faire vos autres outils. Donc, non plus, il ne faut pas... en faire trop pour rien. Là, peut-être qu'à un moment donné, ça va sortir. Puis je voudrais aussi préciser, parce que là, il y a eu des versions, puis il y a des choses qui ont été envoyées et tout. Là, c'est juste sur, parce qu'il y a 5 documents qui constituent l'instrumentation. Le dernier, c'est l'évaluation. Ça doit être signé par l'enseignant. Parce que là, ça se peut que des fois, dans des vieilles versions, il était écrit, là... le conseiller en RAC, c'est vraiment l'enseignant qui doit signer le document qui s'appelle l'évaluation. Fait que des fois, selon un petit peu la version que vous avez reçue ou sur laquelle vous travaillez, assurez de corriger cette information-là. Si vous n'êtes pas sûr, vous voulez que je valide
l'instrumentation que vous avez développée, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Là, je vais être là pour vous aider. Est-ce qu'on peut se permettre, quand on a développé, par exemple, pour un métier, d'avoir un endroit où on pourrait comme partager nos documents pour éviter qu'on soit trois peut-être à développer? Oui, c'est une excellente question. Est-ce qu'on pourrait tout simplement peut-être faire un petit tableau, puis ceux qui en ont développé mettraient leur adresse courriel, puis ceux qui le voudraient pourraient leur écrire, vous pourriez leur envoyer directement, parce que c'est sûr quand c'est considéré par la direction de la sanction comme des épreuves, fait que, on ne peut pas comme mettre ça sur les après-cours, ou est-ce que c'est quand même public, là, on pourrait peut-être, si quelqu'un aimerait peut-être partir un tableau, là, où est-ce qu'il pourrait avoir... au moins qu'on mette l'information là, qui peut-être, mettons, Nancy, tu pourrais dire, ben voici là, les métiers que j'ai développés, puis voici mes coordonnées si vous les voulez. Quand vous les envoyez par WeTransfer ou une méthode comme ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Il y aurait peut-être la possibilité, là, Marie, j'interviens, il y aurait peut-être la possibilité d'utiliser un Google Drive, donc un drive partagé, là, Donc, éventuellement, si vous voulez créer quelque chose là-dessus, tu me feras un petit coucou, Maryse, puis je vais aller t'aider. Bien, merci, Toby. On se reparlera là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant l'instrumentation? Et s'il y en a peut-être juste comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont là qui aimeraient juste nommer, parce que dans les présences, vous avez déjà mis vos noms, là, qui est là. Est-ce que ceux qui en ont développé, ce qu'ils voudraient dire pour lesquels, comme ça, mais peut-être déjà demain, là, il pourrait y avoir un certain échange. Nancy, toi, je pense que tu en avais peut-être développé pour certains. Voudrais-tu nommer pour quel programme? Je n'ai pas encore commencé à rien développer. J'ai éventuellement aide installateur de vitres. Je ne me souviens plus c'est quoi le nom, là. Mais en tout cas, genre chez un Lebeau, là. Donc, j'ai ça là, à venir. Si jamais il y a quelqu'un qui a déjà eu le temps de développer, faites-moi signe. Mais c'est ça. Là. Ça serait probablement le premier, là, nous, qu'on débuterait. Là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui en auraient développé l'année passée qui auraient voulu soit l'écrire au clavardage ou prendre la parole? Moi, j'en ai développé quelques-uns. J'ai développé être coiffeur. J'ai entretien de vitres d'auto, justement, chez Lebeau. J'ai développé nettoyage d'auto. Il y en a un qui a rapport à ça. Commis de dépanneur, caissier. Puis les deux domaines animaliers, là, être toiletteur, puis... préposés dans un centre animalier. Ils sont tous développés, ceux-là. Bien, merci, Isabelle. Fait que tout simplement, là, d'aller envoyer un petit courriel à Isabelle, peut-être à ce moment-là quand même de transférer par WeTransfer. C'est un petit peu là, les consignes qu'on a là, pour les documentations, des documents d'évaluation. On a ici une personne, elle écrit Hébert. Je ne sais pas c'est quoi le prénom. J'ai développé boucher et pâtissier. Est-ce qu'il y en a d'autres? Dans le fond, c'est écrit boucher, mais c'est être boucher et être pâtissier. Là, on se rappelle qu'on est au niveau des métiers semi-spécialisés. Moi, j'en ai quelques-uns aussi de fait de mon côté, là, à peu près une quinzaine. Je ne sais pas comment ça peut se concrétiser tout ça, mais je pense que ça pourrait être chouette, effectivement, qu'on ait un répertoire avec l'adresse courriel, parce que c'est quand même assez long là, à développer. Quand tu rencontres un employeur, puis finalement, tu pourrais y aller demain, bien, puis tu as l'enjeu de développer la paperasse. Fait que ça peut être chouette si on peut l'avoir là, peut-être plus rapidement que de le faire. Puis je ne sais pas comment faire ça, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Bien, écoutez, on va prendre ça en note. Je pense que c'est une priorité hein, d'avoir les instruments. Donc, on va regarder qu'est-ce qui peut être fait. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y en a quand même plusieurs qui ont développé des choses. Donc, oui, je vais regarder ça la semaine prochaine, promis.
Oui, je vais ajouter une colonne dans le tableau des présences pour mettre votre identifiant Google, si vous en avez un. Comme ça, on va pouvoir protéger le Google Drive et l'offrir seulement à ceux qui sont présents ici. Donc, si vous avez une adresse Google, sinon, il va falloir trouver une autre façon parce que, comme tu dis, Marie, il faut que ce soit protégé. Donc, on pourrait les mettre sur Mara. Encore là, il faudrait vous inscrire à Mara. Mais je vais rajouter tout de suite une colonne pour que vous puissiez mettre votre identifiant Google, qu'on puisse partager en tout cas et déposer ceux que vous avez déjà fait. Bien, merci tout le monde. En tout cas, c'est le fun de voir qu'il y a un souhait de partage et qu'il y a déjà des choses de fait et qu'on va bâtir ensemble. Alors, on est rendu au point 6, précision sur le profil. Donc, à la fin de l'année passée, quelqu'un pose la question, mais est-ce qu'on a besoin d'un profil au niveau de la RAC FMS? Moi, je me suis retournée vers le ministère. Avons-nous besoin d'un profil? On s'est questionné, puis ça l'a fait bouger bien des choses, et la réponse est oui. Donc, il y a eu beaucoup de vérifications qui ont été faites au ministère, puis la réponse est oui. Et d'ailleurs, ça a été ajouté dans le document administratif, services et programmes d'études, formation générale des adultes. D'ailleurs, je vous ai mis le lien dans l'ordre du jour qui se retrouve là sur le site des après-cours. Donc, c'est là le profil de formation qu'on décrit, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, puis où est-ce que c'est écrit que dans le régime pédagogique, la loi sur l'instruction publique, pourquoi on doit avoir ça. C'est là qu'on a ajouté là, le dispositif de RAC qui est ajouté ici. Puis on voit que dans la liste des renseignements dont le profil doit contenir, on a rajouté hein, l'objectif de formation ou de reconnaissance des acquis. Donc, ici, là, les dates de début de formation ou la date de début de la démarche de RAC. Donc, fait qu'il y a eu des éléments qui ont été ajoutés, mais comme Mélanie Poulin a dit, on comprend que ce n'est pas si évident ça que faire un profil. Il n'y a pas de siglaison, pas un début de fin avec une fréquentation tous les mardis après-midi. Fait que là, on veut se questionner, là, c'est vraiment, c'est quoi les informations nécessaires, c'est quoi les documents qu'on remplit déjà. Donc, on va essayer de vous répondre là-dessus. Bon, précision concernant les questions relatives à la sanction. C'est juste vous mentionner, n'hésitez pas à me poser des questions. Des fois, je les pose aussi à Mélanie Poulin par rapport peut-être aux questions un peu plus difficiles au niveau de les conditions de sanction de la formation générale. Mais ceux qui sont vraiment disposés à répondre sur les questions de sanction, puis j'ai mis un petit texte ici. Hein. Donc, des fois, quand vous avez des questions de sanction, la première chose, c'est d'en discuter avec le responsable de la sanction de votre centre de service scolaire. Des fois, il y a peut-être eu des informations additionnelles pour vous. Puis si jamais vous avez besoin de clarification, bien, ça va être vraiment la direction de la sanction des études qui vont répondre au niveau des questions relatives à la sanction. Puis on a leur adresse courriel qui est là. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions à Mélanie Poulin, mais des fois, ça se peut qu'on réfère quand nous, on est régi par les encadrements. Je me réfère toujours au guide administratif de la RAC FMS, mais des fois, c'est des questions que c'est au-delà de ça, bien, c'est sûr qu'on va transmettre la question aux bonnes personnes. Est-ce qu'il y avait des éléments là-dessus que vous auriez aimé discuter? On a Valérie au niveau du clavardage qu'elle mentionne. Si je comprends bien, nous attendons le futur document pour joindre un profil de formation à nos dossiers. Bien, c'est sûr, peut-être dès maintenant, Valérie, d'aller en discuter avec votre équipe pour mentionner qu'il va y en avoir un nécessaire et que c'est inscrit dans les documents ministériels. Fait que peut-être que dès maintenant, il y aura une étape d'information parce que vous êtes dans le concret, des fois, de vous réfléchir à ça, on va revenir au prochain après-cours, puis vous allez avoir des idées. Nous autres, on va peut-être arriver avec une proposition, là, mais des fois, vos idées sont encore meilleures. On a vu ça l'année passée. Donc, peut-être quand même de mobiliser vos équipes. Puis, c'est pas juste pour la RAC FMS, là, c'est pour les TENS aussi, c'est pour examen seulement, c'est pour tout. Oui, Mélanie? En fait, Marie, je préciserais même que dès maintenant, je vous inviterais quand même à en faire un profil de formation, bien que c'est
possible que, tu sais, avec les précisions qu'on vous amènera, il pourra y avoir des modifications, des ajustements qui seront faits, parce que normalement, c'est une responsabilité qui doit être faite dès maintenant. Donc, c'est pour ça, je vous invite à vraiment regarder l'information que Maryse a présentée dans le document administratif, puis à y être inscrit dans le profil tous les éléments là, que vous êtes en mesure de mettre concernant justement là, la démarche de RAC. Puis, si vous avez des questions, qu'il y a quelque chose qui pose vraiment problème, bien, vous pouvez me contacter ou contacter Maryse qui fera le suivi avec moi aussi, là, puis on verra avec vous là, comment on peut arranger ça. Là. Merci, Mélanie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le profil? C'est sûr que ça va être un thème qui va être, on va l'avoir à chaque après-cours jusqu'à temps que tout le monde soit à l'aise. Là, on est là pour vous supporter. Alors, je vais mettre dans le clavardage le lien. J'ai fait un petit mini, c'est pas très long, ça va prendre 3 minutes à remplir, un petit questionnaire forme pour voir où est-ce que vous vous situez là, au niveau de votre service RAC FMS. Puis parce que là, des fois, c'est le tour de table. Là, il reste 15 minutes. Là, ça va être peut-être long. Donc, tout simplement, tout le monde, allez cliquer dessus, répondre aux 5-6 questions. Puis moi, je vais partager les résultats. C'est anonyme. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. C'est anonyme. Fait que des fois, on veut savoir qu'est-ce que les autres font, où est-ce qu'ils en sont rendus. Donc, ça va donner un petit portrait là, des gens qui sont ici cet après-midi. Donc, l'année passée, là, qui a offert vraiment comme tel un service RAC FMS? Donc, il y a 5 centres de services scolaires qui en ont offert. Oh, 6! Puis, il y a d'autres que ça va être vraiment cette année que vous allez, j'imagine, débiter ce service-là. Je veux dire, c'était nouveau l'année passée. Ça a sorti l'année passée en plein COVID. On peut comprendre que c'est peut-être pas le meilleur temps pour tout le monde de faire du démarchage. Donc, on peut voir que, j'imagine, l'année prochaine, la réponse va être différente. Combien de personnes candidates avez-vous eu? Donc, ici, 0, bien, il y en a 6 personnes, finalement, qui ont débuté, mais ils n'ont pas eu de personnes candidates. Entre 1 à 5 personnes candidates, il y a 2 centres de services scolaires qui ont fait, que c'est vraiment là, un début. Ensuite, il y a 3 centres de services scolaires qui avaient qui ont eu de 6 à 10 candidats, bravo, et 1 centre de services scolaires qui en a eu là, entre 11 et 20. Et, tu sais, des fois, on aime ça se comparer, puis qu'est-ce qu'ils font les autres, puis on se fait questionner. Bien, je pense qu'on est encore dans les débuts, puis peut-être un jour, on sera rendu, tout le monde va répondre 41 et plus, mais là, on voit que l'année passée, ça a commencé doucement, puis qu'est-ce qui va être plaisant, c'est ceux qui en ont fait des expérimentations, ils ont eu leur première expérimentation, pourront le partager cette année avec ceux qui démarrent leur service, c'est ça qu'on espère. Alors, en 2021-2022, la question, allez-vous offrir le service de RAC FMS? Bien, tout le monde a dit oui, fait que ça fait plaisir. Puis, je vais vous mentionner que moi, je suis là pour l'animation des après-cours, mais j'ai aussi le mandat du ministère de l'Éducation pour vous offrir un soutien individuel. Fait qu'à la fin, là, je m'assurais que tout le monde ait mes coordonnées. Vous m'écrivez un courriel, on convient d'une date de rencontre. Fait qu'on peut vraiment avoir une rencontre, là, c'est par team, vous et moi, votre équipe et moi, ou seul vous et moi, pour qu'on discute où est-ce que vous en êtes rendu, comment faire votre plan d'organisation, etc. Toutes les questions que vous me posez sont excellentes. En plus, bien, souvent, les questions que vous me posez, ça m'inspire pour les ramener aux après-cours. Quand vous les avez en général, tout le monde les a. Donc, n'hésitez pas. Des fois, si vous êtes toujours disposé à tant prendre la parole lors des après-cours, bien, vous pouvez m'appeler en individuel. Puis moi, je m'assure là, que l'information circule. Alors ici, si oui, quelle est la fonction de la personne responsable de ce dossier? Parce qu'il y a toutes sortes de modèles possibles. Il n'y a pas de mauvais modèle. L'important, c'est que le modèle soit tout simplement, là, il réponde aux besoins de votre région, de vos réalités. Donc, il y a des personnes, c'est vraiment des personnes enseignantes, j'imagine, en ISP, qui vont s'occuper du service. On a une conseillère en orientation, enseignante, avec une équipe, là, avec une personne CO. Donc, il y a des CO. C'est qui va s'en occuper? Chantal Paquet. Chantal Paquet, excuse-moi. Je t'allais trop vite, Marie. Je viens de l'écrire dans le chat. Là, je suis conseillère d'orientation, conseillère RAC.
Excuse-moi. C'est ça, donc c'est conseillère, conseillère REC et conseillère d'orientation. Donc, les deux, ça me fait rire, Chantal, je ne vais pas te taquiner là-dessus. Donc, encore, bon, une conseillère d'orientation et l'agent de développement au SARCA. Donc, c'est sûr que c'est wow. Agent de service social, je ne savais même pas que ça existait, voyez-vous, cette fonction-là. Des agents de développement. Donc, Anneba, qui est enseignante en ISP. Bon, il y a une direction adjointe, là, qui vont plus, je pense que ça va être l'étape de la mise en place, une conseillère à la formation scolaire. Donc, on voit aussi, que vous allez le voir, il va y avoir différents modèles. Ça va être important d'échanger, parce que chaque modèle a ses forces. Donc, c'est toujours intéressant de voir un petit peu, parce que souvent, les gens, une direction de question, Marie, c'est qui devrait être responsable du dossier, puis il n'y a pas une réponse unique, là. Donc, en tout cas, déjà, on voit que d'une place à l'autre, là, l'organisation est différente. Puis, on va le voir, un miracle. Pour le savoir, il faut l'essayer. Puis, je vous invite à en essayer, puis après, à un moment donné, vous allez trouver votre bonne recette. Et dernier élément, nommez votre principal défi. Je me dis, ça va nous inspirer. Bon, la production de l'instrumentation. Fait que je pense qu'on va essayer de mettre quelque chose au moins pour savoir qui en a vraiment rapidement, là, qui a développé quoi, au moins pour que vous puissiez communiquer avec la bonne personne. Convaincre les employeurs. Fait que peut-être que, en tout cas, on va toutes les lire. Je ne ferai pas des promesses pour le prochain après-cours parce qu'il va durer 4 heures, là. Mais peut-être les arguments, ceux qui en ont fait pour en parler. Se donner une méthode pour le processus, trouver la clientèle potentielle. Vendre le projet aux employeurs, manque de temps, manque de main-d'œuvre, en effet. Une fois que nous avons l'accord de l'employeur, trouver la manière la plus efficace de rejoindre les employés. Parfait. J'aurais besoin d'un agent de développement temporaire pour travailler avec moi. Avons-nous encore des subventions à cet effet? Je sais qu'ici, on est en train de recruter la ressource qui s'occupe de la RAC FMS et elle va aussi s'occuper de la formation générale de base en entreprise pour lesquelles il y a une mesure spéciale dans les règles budgétaires pour l'embauche d'une ressource d'un agent de développement. Fait que nous, c'est le choix qui a été fait ici. Ça pourrait être quelqu'un d'autre aussi. Fait que je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres sources de financement pour quoi que ce soit, mais il n'y a pas un financement propre pour le développement de la RAC FMS. Mais nous, on a été prendre cet élément-là pour dire formation de base en entreprise. On va cibler sûrement des clientèles similaires. Ensuite, trouver des employeurs intéressés. Donc, le recrutement, fait que je pense que ça va être un thème d'un après-cours pour échanger là-dessus. Pas encore d'expérience ni d'historique pour s'appuyer. Bien là, des fois, il y en a, c'est ça qui ont, ça va être dans le partage, ça va être intéressant. Pour le moment, réussir avec brio l'implantation de ce nouveau service et créer une équipe, voilà. Tous les documents qui sont laissés. Ma prédécesseure m'a laissé un démo et j'aimerais valider avant d'utiliser. À ce moment-là, la personne qui a écrit ça, communiquez avec moi, je vais pouvoir valider vos documents, ça va me faire plaisir. De bien répondre à l'ensemble des demandes à travers les tâches d'ISP, oui, c'est sûr que quand on en a beaucoup, on ne peut pas faire de miracle. Évidemment, le démarchage, puis c'est ça, le recrutement de la clientèle. Fait que ça donne quand même merci. Merci de vos questions parce que on va pouvoir les investir à travers les après-cours pour aborder ces thèmes-là. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Ça ne sera pas comme ça à chacun des après-cours. Je vais vous laisser beaucoup plus de place pour échanger puis pour témoigner là, des choses que vous avez faites. Donc, il reste 5 minutes. Mais de toute façon, moi, je ne suis pas pressée. Je vais rester en ligne. Est-ce qu'il y aurait premièrement des... Ah oui, il y avait une question, je m'excuse. Donc, la situation, là, la personne qui avait... est-ce que c'était Sarah? Est-ce que tu voudrais nous rappeler de quelle question il s'agissait pour la personne en Ontario? C'était pour la reconnaissance des diplômes en Ontario versus Québec. C'est certain que du fait que c'est une condition de sanction, c'est pas comme... un préalable pour s'inscrire à un cours en formation professionnelle. Hein? C'est une condition de sanction. Je ne sais pas, Mélanie, ton côté, si tu as une réponse à nous donner.
Moi, je ne pense pas qu'il y a eu de mon côté, là, je ne pense pas qu'il y a eu de nouveau de ce côté-là. Et si je comprends bien, dans le fond, c'est une personne qui a fait ses études, qui, une personne qui provient de l'Ontario, qui habite désormais au Québec, que vous avez fait l'entrevue de validation, l'observation des compétences, mais là, au niveau de la condition de reconnaissance de la formation générale, ben, vous n'êtes pas capable. C'est, je veux dire, il y a juste des documents ontariens. Est-ce qu'on doit faire des examens seulement? Est-ce qu'on doit faire quelque chose ou sur présentation des documents? C'est ça, quelqu'un qui aurait eu son DES, mais en Ontario, est-ce que c'est reconnu ou on le dirige vers un TENS automatiquement? Donc, c'est ça, il y avait eu la question, donc je me demandais, la réponse était non en mai, on ne peut pas le reconnaître, il doit faire des examens là, qui reconnaissent les études au Québec, donc c'était juste pour savoir s'il y avait eu un développement à ce sujet-là. Si je peux me permettre, on peut reconnaître les documents des autres provinces et en faire des équivalents dans le système québécois. Quand on a quelqu'un, par exemple, qui arrive avec un troisième, quatrième secondaire d'une autre province, on peut faire des équivalences et le faire poursuivre son DES avec nous. On ne peut pas faire la même chose avec quelqu'un qui arrive de l'international, mais on peut le faire avec les gens qui proviennent du Québec. Moi, j'ai ma collègue qui fait ces équivalences-là ici quand on a des gens qui arrivent de l'extérieur des provinces, des provinces, de l'extérieur de la province. Donc, on doit pouvoir se permettre de faire ça, j'imagine. Parce que ce serait curieux qu'on ne puisse pas le faire quand on peut leur permettre, dans le fond, d'intégrer le système québécois et de poursuivre leurs études ici. T'sais, on peut aller voir dans le dossier, ce cours-là correspond à nos maths de quatrième secondaire. Donc, on le rentre comme équivalent dans le système. Ce cours-là équivaut au cours d'histoire. On le rentre dans le système. Ça serait plate que pour de la RAC FMS, on ne puisse pas faire quelque chose de semblable. Je pense qu'André Pelletier, vous aviez un ajout à faire sur ce sujet. Moi, je suis responsable de la sanction et ce que Nancy disait, c'est effectivement oui. On peut donner des équivalences habituelles pour des études hors Québec, mais au Canada. Habituellement, c'est dans le cheminement du DES. Et là, ma mémoire me fait défaut, mais je vais vérifier. Il me semble que Geneviève Moreau m'avait dit, parce que moi aussi, j'ai eu la discussion quand j'ai vu les règles du CFMS. Je l'ai eu, je pense, c'est quand un élève faisait le CFMS, là, mais je vais te revenir, Maryse. Moi, j'avais dit, ben, c'est plate pour nos gens qui ont étudié ailleurs. Et il me semble que pour les élèves en classe, c'était « tu peux y donner des équivalences des autres provinces ». Je vais vérifier mes notes parce que je l'ai noté et souligné, fait que je reviendrai là-dessus. Mais la réponse du ministère d'habitude, c'est que l'élève aille faire ses examens directs s'il n'a pas étudié au Québec. Et je trouve ça très désolant parce que ça élimine une partie de la clientèle. Je veux dire, si les gens ont étudié dans d'autres provinces ou d'autres pays, ça ne veut pas dire que... En tout cas, je trouve que ce n'est pas toujours simple de juste dire « va faire l'examen ». Ce n'est pas simple pour la clientèle. Merci, André. Mais je pense qu'on peut s'entendre, on peut tous s'entendre que les conditions de reconnaissance pour la formation générale, ça peut être dans certains cas un obstacle. On est intéressé d'avoir des cas puis de vous entendre, même si des fois, peut-être les réponses qu'on vous donne, c'est pas ça que vous voulez entendre. On est quand même intéressé d'entendre vraiment des cas pour faire des études de cas puis pour tranquillement qu'on puisse documenter ça. Je pense que c'est cette partie-là qu'on peut faire, documenter les besoins, faire des portraits, puis à un moment donné, on pourra faire des avis. Puis je veux dire que des fois, c'est, on en discute souvent de ces éléments-là, moi et Mélanie, puis on essaie de faire cheminer les choses, mais à la vitesse possible. Je pense qu'on... Une question par rapport à ça. Là, l'année passée, on avait pris des noms en note pour un futur comité, là, que si un candidat n'a pas les heures FGA requises, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme,
comme plan là, qui serait peut-être le plus efficace puis le plus court possible. Moi, j'avais comme une collègue qui avait marqué son nom, puis on n'a pas eu de nouvelles. Est-ce que ça va être mis sur pied? Merci Valérie, excellente question. Tantôt, quand je préparais mes affaires, puis je regardais l'autre jour là, de la dernière rencontre, c'est ça, il faut que je communique. Là. Je pense qu'il y avait, Chantal Paquette, je pense que tu avais levé la main, il y avait Geneviève Dionne, puis il y avait d'autres personnes. Fait que là, je vais communiquer avec eux pour planifier une petite rencontre pour dire quand on doit vraiment, même pour une personne québécoise qui n'a aucun ses bulletins, personne a 55 ans, puis ses bulletins, bien, c'est perdu pour toujours, bien, à ce moment-là, quel sigle on pourrait choisir pour permettre, là, par des examens seulement, de permettre à la personne de rencontrer les conditions de reconnaissance. Merci d'en parler. Moi, je vais communiquer avec les personnes qui avaient levé la main. S'il y a d'autres personnes ici qui seraient intéressées à participer avec ce petit comité-là, peut-être l'écrire au clavardage, est-ce que vous avez de l'intérêt? Puis moi, je ferai un petit doodle pour qu'on fasse une première rencontre là, prochainement. Oui, avant qu'on quitte, j'ai commencé un tableau d'instrumentation. Donc, je vais mettre le lien dans le clavardage, mais il est aussi dans la bibliothèque, dans l'autre bibliothèque. Tu avais parlé de dire qui a fait quoi, donc j'ai juste mis le nom de la personne, les métiers et les coordonnées. Donc, en attendant qu'on ait une banque, là, si vous voulez vous échanger ce que vous avez déjà fait, donc le tableau est déjà fait. Là. Et peut-être là, vraiment, avant de quitter, là, aller tout de suite le remplir ou dans les prochaines journées, au moins, déjà là, il y aura un mouvement de fait de ce côté-là. Écoutez, je vous remercie tout le monde pour votre présence. Moi, je vais rester. S'il y a des questions de plus, ça va faire plaisir d'y répondre. Puis j'espère que vous allez être présents et vous pouvez évidemment inviter vos collègues, vos directions à participer aux après-cours. Hein. C'est les échanges, qu'est-ce qu'on entend qui est intéressant. Puis je remercie tout le monde ainsi que Toby et Richard pour votre précieuse collaboration.